Maintenant, de vous à moi, j'ai des choses secrètes à partager avec vous. La vidéo, si je ne vais pas la mettre en public, je vais la mettre en privé. Et je vais partager ça avec vous. Mais ce ne sera pas pour que tout le monde puisse y avoir accès forcément. Je vais devoir être prudent sur ce que je vais dire pour ne pas être pénalisé dans cette vidéo. Je voulais que nous les Africains nous prenions conscience. Je voulais que nous prenions conscience. Je vais vous expliquer un certain nombre de faits et je vais vous dire que c'est aussi la raison qui m'a motivé à mettre en place ce concept. Si nous sommes d'accord, nous pourrons le faire ensemble. Si nous ne sommes pas d'accord, bon, on va continuer à avancer comme on a envie d'avancer. Alors, je voulais vous faire savoir que l'Afrique est de plus en plus mise en marge du fonctionnement du monde. De plus en plus. Je regardais encore une vidéo où un sénateur américain se permettait de citer le, je sais pas si c'est le président au Niger là, de tous les noms d'oiseaux et lui faisant savoir qu'on va venir les tuer et les défier comme des animaux. C'est-à-dire que la position de prédominante de l'Occident leur permet de faire ce qu'il veut et comme il veut. Le président Kadhafi a eu des ambitions pour le continent africain. Si vous vous rappelez, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, quand le satellite avait été positionné, activé au-dessus de Douala, la communication devenait très facile et très accessible. Le fonds monétaire devait être mis en Afrique, à Yaoundé. Ce projet devait permettre de résoudre les problèmes des dettes de l'Afrique. Mais ça n'a pas été fait. Parce que ça ne devait pas se faire. J'ai encore vu une autre vidéo où voilà, des Occidentaux font comprendre que l'Afrique n'a pas intérêt à s'émanciper. Vraiment pas. Donc nous sommes obligés d'être sur leurs satellites, se positionner sur leur business et tout. Et on ne sait pas ce que ça va devenir. Facebook, par exemple, a déjà un monopole. Je ne sais pas comment je vais définir ça, mais si vous vous rappelez, il y a peut-être 10 ans, quand vous publiez des informations sur Facebook, beaucoup de gens y accédaient. Vous pouviez avoir 2000 vues. Moi, j'ai eu une fois 16 000 vues parce que j'ai partagé dans les groupes. Voilà, Facebook essayait un peu parfois de dire non, ne partagez pas dans trop de groupes et tout. Mais maintenant, ils ont déjà un contrôle qui est tel que vous pouvez publier une chose et ils décident de vous dire qui a vu ou qui n'a pas vu, quel que soit le nombre de personnes qui a vu. J'ai eu une publicité que j'ai eu à faire où Facebook m'a dit, voilà les personnes qui ont regardé et qui ont été facturées, en fait, pour lesquelles tu as été facturé. Voilà les personnes qui ont regardé pour lesquelles tu n'as pas été facturé. Mais 2 jours après, ces personnes ont été balayées, donc je ne pouvais plus avoir accès à ces personnes. En fait, j'ai plein d'exemples comme ça. Il y a Zoom, par exemple, qui a déjà une politique de mettre des personnes de côté dans des appels de vidéo. Donc, il y a des parties du monde qui peuvent être bannies d'un appel vidéo. Voilà. En fait, il y a tellement d'exemples patents comme ça. Mais ce qui est le plus déplorable, c'est que ceux qui font vraiment dans le marketing digital et dans le business doivent certainement, se sont certainement rendus compte que. Se sont certainement donc rendu compte que ça devient de plus en plus compliqué. Alors, déjà pour Facebook, il fallait avoir un compte créé en Europe et tout ça.
Et quand les entreprises offshore, ça se complique. Et quand vous venez de la partie de l'Afrique, c'est terrible. Et nos amis, souvent de l'Afrique de l'Ouest, ne nous aident pas en termes d'image. C'est-à-dire, voilà, ils sont aussi devenus des gros arnaqueurs et tout. Et ça nous met dans une position assez difficile. Donc, je pense qu'il est urgentissime que nous mettions en place une communauté, comme les Chinois l'ont fait, comme les Américains le font un peu ici au Cameroun aussi. Mais nous puissions constituer une famille dans laquelle on aura des potentiels. On va former du potentiel. On va former la richesse. On va créer de la richesse. On va créer les opportunités. Et ça, ce n'est pas en créant une nouvelle roue. On dit, on ne recrée pas ce qui existe déjà. Mais en se positionnant dessus, si quelqu'un vient me dire en tant que responsable d'une entreprise de stratégie de marketing digital et développeur web qui veut créer un nouveau Facebook, je vais lui dire, va manger et puis tu dors. Il n'y a personne qui pourra faire une concurrence en créant un nouveau Facebook. C'est impossible. Il est impossible de recréer un nouveau type de GAFA. Mais ce qu'il est possible de faire, c'est de mettre en place une communauté, de bâtir ensemble une communauté forte. Et c'est cette communauté-là qui, dans les stratégies qu'on va vous présenter, vous allez comprendre qu'elle peut être une force, qu'elle peut impacter, qu'elle peut guider. Je ne vais pas être plus long que ça. Je vous invite à nous rejoindre pour que nous en parlions aussi. Ceux qui veulent ne parler que de ce volet-là, on pourra ouvrir ce volet et développer par rapport à ces questions. Mais sinon, vous êtes là pour le marketing AI, le marketing sur la base de l'intelligence artificielle, et pour les projets qui l'accompagnent, à savoir les projets de boutique en ligne et d'autres projets que nous allons vous présenter, parce que c'est des opportunités pour lesquelles on va vous appeler tout simplement et on va vous expliquer comment, si vous connaissez même quelqu'un qui veut voyager et que la personne a tout ce qui est bien, si son dossier est normal, si c'est pas un fonctionnaire et tout, il peut faire son voyage et vous pouvez gagner 150 000 seulement sur l'information. Vous voyez, c'est-à-dire que la personne vous dit je veux voyager, nous on gère ce voyage jusqu'à son visa. Lorsqu'il a versé ses frais normalement, il essaie de constituer son dossier. Et là, vous avez 150 000 seulement parce que vous avez eu l'information. Bon, bref, il y a plein de choses que nous pouvons faire pour lesquelles vous n'êtes même pas obligé d'être là tout le temps, mais juste saisir l'opportunité, voilà, saisir l'opportunité et travailler à faire cette opportunité. Nous, on met en place les plate on met en place la plateforme, on met en place la stratégie, on met en place tout ce qu'il faut. Tout ce dont vous avez besoin, c'est soit vous impliquer, soit travailler comme une antenne, soit envoyer des personnes. Ça dépend de vous. Donc, on va vraiment développer sur tout ça. Je pensais pouvoir le faire dans les appels qu'on aurait dû avoir. Mais malheureusement, la connexion nous a souvent fait faux bond. Et donc voilà, nous sommes heureux de savoir que vous êtes arrivés en grand nombre de tous les pays de l'Afrique subsaharienne, les pays francophones que nous avons sélectionnés. Et nous comptons sur vous pour pouvoir faire des choses grandes et importantes. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et faites des likes, commentez, partagez et nous restons ensemble. Merci et à tout à l'heure d'ailleurs. Merci beaucoup et nous vous disons vraiment, tirons un grand coup de chapeau pour la patience dont faites montre et la tempérance également dont faites montre. À très bientôt, merci, ciao.